Thank you.
Merci beaucoup. J'ai essayé de parler un peu en français. Je parle tout le temps en français, mais des fois, on a du mal à me comprendre. Là. Merci pour être venu. J'espère que la musique, ça vous plaît. Ça, c'est notre tango, mais le tango avec une vision d'aujourd'hui. Notre musique a beaucoup évolué. Il y a des tangos que peut-être vous allez reconnaître et peut-être que vous ne connaissez pas parce que ce sont des morceaux à moi. Alors, c'est juste pour vous dire que peut-être on a changé un peu l'ordre. Les morceaux dans vos programmes, mais sont les mêmes morceaux, mais dans un autre ordre. Et nous allons continuer maintenant avec une composition qui s'appelle La Place, avec Miguel Gavis et Charlotte S.
Merci beaucoup. Avant de continuer, je voudrais présenter les musiciens et les danseurs de notre spectacle. Je commence par Facundo Torres au bandoneon. Alain Petit au violon. Bárbara Barassi au piano. Jorge Royorile a la contrabás. Miguel Gavis y Charlotte S.
s'il vous plaît. Luis Brizzo, guitarra. Barbara Barassi, au piano. Jorge Loyotil, à la contrebasse. Alain Petit, au violon. Facundo Torres, au bandoneon. Les danseurs, Miguel Gavis et Charlotte Hess.
Aujourd'hui, nous accueillons Luis Rizzo, argentin, tanguero et maître maestro. Maestro Luis. Comme ça qu'on doit vous appeler, Luis. Oh non, ça va, on peut dire Luis. Dire Luis, bon, Luis Rizzo. Oui. Donc, vous êtes tanguero. Tanguero, oui. J'ai fait le tango depuis toujours. Et vous êtes en France depuis les années 70 à peu près? Non, non, non. Je suis arrivé octobre 82 en France. Ah, vous vivez beaucoup en fait. Oui, oui, ça fait un bon moment que je suis là. Et quel est votre parcours un peu dans la musique, dans le tango? Avec un tango, le tango, j'ai commencé à travailler avec les musiciens de tango quand j'avais 18 ans à Buenos Aires. Avec à l'époque un musicien qui était un grand pianiste de tango et qui faisait partie du quintet de Astor Piazzolla, qui est un musicien assez connu en France, en Europe. Dans le monde? Et dans le monde, oui. Que c'était une expérience assez dure pour moi parce que c'était un tango pas totalement le tango classique. C'était le tango, ce qu'on appelait le tango d'avant-garde. C'est dans quelle année à peu près qu'on peut suivre? Et j'ai commencé là, c'était 65, voilà. Et à l'époque, c'est qu'il y avait tout un mouvement de ce qu'on appelait les tangos d'avant-garde là. Parce qu'il n'y avait pas seulement Piazzolla, il y avait des autres compositeurs et instrumentistes qui travaillaient dans ce que s'appelait ce renouvellement qui est venu naturellement. Eh. Ce n'était pas quelque chose à que se sont imposés les musiciens de l'époque. No? Parce que je peux rajouter que le tango a eu une grande évolution instrumentale. Y naturalmente se ha debuchado la evolución sobre el tango clásico, los arrangements especialmente, las composiciones. Son de nouveautés de son, de nouveautés dans la musique. Des harmonies, des rythmes. C'était un langage qui commençait à changer là. Que à l'époque, que je me souviens bien, c'était quelque chose de très étrange quand on écoutait un tango de Astor Piazzolla même. C'était pas comme maintenant parce que l'oreille, oui, c'est fait. Oui. Ils se sont passés beaucoup d'années là. Et qu'est-ce que vous éprouviez quand vous écoutiez ces tangos-là? Oh oui, j'étais fou. Quand j'ai commencé à écouter ces tangos-là, pas seulement moi, toute ma génération, on est tombé amoureux de ces musiques-là, que c'était une autre musique, mais différente. Donc vous avez joué en Argentine, et après vous avez émigré en Europe en 82. Pourquoi vous êtes venu en France en fait? C'est ça que je veux savoir. C'était à cause de la dictature en Argentine? C'était pas seulement de façon directe pour la dictature. La dictature c'était terrible pour nous tous. Hein. C'était un moment spécial de l'Argentine, ces années de la dictature militaire, parce que la culture, c'est la première chose qu'ils sont attaqués, disons, la culture populaire. Ouais. Hein, parce que l'autre culture, bon, ça ne change pas beaucoup. Mais notre culture populaire, à l'époque, c'était très important à ce niveau-là. Hein, parce que c'était un renouveau, comme je disais tout à l'heure.
Y la situación del país aussi, qu'il avait una gran crisis, rien à voir avec la crise climatique, non, mais quand même. Les militaires au pouvoir. Ça, c'était le plus terrible, la guerre des Malouines aussi. Oui. Je suis venu après la guerre des Malouines. Ouais. C'était dans ce monde très spécial du pays, non? Et je ne sais pas si beaucoup de gens savent qu'il y a une grande tradition entre la France et l'Argentine, pas seulement pour le tango. Vous allez le dire, oui. Mais le tango, c'est un des points que, ouais, d'union, disons, non, de, ouais, si on peut dire comme ça. Ouais. Très d'union. Et j'avais un ami en France, musicien, que il est parti en 77. Et on s'est rencontré quelques années après à Buenos Aires, parce qu'il est rentré en Argentine, on a parlé, mais il m'a raconté un peu. Et voilà, comme ça, a commencé à naître l'idée de pouvoir venir un jour en France. J'ai commencé avec mon groupe, le premier groupe, que c'était un trio, c'était 97. Non, 87, pardon. 87. Que j'ai, 88, j'ai fait le premier disque, un CD. C'était votre premier album Mon premier album, oui. Il était fait en France. Et quelques jours après, j'ai eu la chance d'aller au Festival Mondial de la Guitare, au Carrefour Mondial de la Guitare à la Martinique. Ah oui. Pendant une semaine. Hmm. Y el disco venía de sortir, ¿la? ¿Sabes? Ah, y que esa, este todo un poco genial, ¿no? Es un bon tremplin para vos. A partir de là que j'ai continué a trabajar, disons, avec des différents musiciens. Quelques années après, on a fait un deuxième disco, j'ai fait un deuxième disco avec un quatuor, ouais, en Italie. En Italie. Ça veut dire que le premier disco c'était en France. Le deuxième en Italie. Le deuxième en Italie. Ce disco français a été réédité. 99 encore, il est c'est plus comment ce disque la première édition de 88 s'appelait Tangos d'hier et aujourd'hui, ouais, et la réédition de 99 s'appelle Tango Passion, mmh, voilà, c'est le même disque, ouais. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué à faire des disques avec le quatuor, après un duo de guitare. Et après, deux disques avec les cantettes. D'accord. Le label s'appelle Materiali Sonori. C'est une entreprise de la région de la Toscane, en Italie. Italie. Et donc maintenant, vous êtes en quintette, c'est le Luis Rizzo Quintetto. Voilà. Avec lequel j'ai fait le dernier disque il y a 3 ans. Oui. Et avec ces formations-là, où il y a le piano, bandoneon, contrabasse, violon et deux guitares. Mm-hmm. Et depuis quelques temps, je travaille avec le piano. Ça veut dire qu'il y a une guitare, piano, contrabasse, bandoneon et violon. Une belle formation. Oui, c'est assez classique, cette formation-là. Non, c'est un peu la réduction de la grande orchestre de tango des années 50, 60. Un plus petit format. Voilà. Mais il y a toutes les couleurs de ce monde représentées là.
donc votre spectacle avec votre quintet, il est accompagné de danseurs. Voilà. Qui sont... Bon, un couple de danseurs qui s'appelle bon, Charlotte S. et Miguel Gavis, avec lesquels nous avons fait le concert à La Rochette. La Rochette. Et dans lesquels l'idée c'est de pouvoir continuer à, du côté de la danse, de faire de nouvelles chorégraphies sur ma musique, spécialement. Si bien on fait un répertoire beaucoup plus classique, on joue des tubes, du tango depuis de toujours. Non? Dans ton répertoire actuel. Voilà, voilà. Mais l'idée c'est de continuer à qu'ils puissent travailler sur les nouvelles formes, disons, de chorégraphie. Parce que, à mon avis, c'est, je pense, peut-être je me trompe, mais le futur de la danse, en tout cas en Europe, et aussi en Argentine, va être un peu travailler sur de nouvelles répertoires, nouvelles musiques, toujours de musique de tango, évidemment, en cherchant de différentes formes, un langage différent. Parce que, évidemment, dans ce moment, on fait des choses très jolies. La plupart des danseurs qui viennent de l'Argentine et aussi des danseurs installés en France, par exemple, sur un répertoire déjà connu, chacun apporte quelque chose de nouveau. Mais je pense que pour le futur, il va falloir renouveler un peu tout oui, ça. Parce que la danse est importante. La danse, le tango, c'est la danse aussi. Voilà. Il est né avec la danse, le tango. Oui. Il est parce que je ne sais pas si on peut raconter cette petite anecdote, oui, mais le tango, la danse du tango, c'était entre hommes. Ils allaient dans le bordel, et pendant ils attendaient pour rentrer avec la fille, ils dansaient entre les hommes. Hmm. Voilà. C'est la pénurie. Voilà. Ça veut dire attendre la fille pour rentrer dans la chambre, avec la fille, mais danser entre les hommes. C'est ça que toutes les histoires nous racontent, non? Et c'est vrai.
tango devenu vraiment populaire en Argentine dans les années 40. Si bien les gens connaissaient les tangos, on l'écoutait à la radio, la radio commençait à avoir un peu la force aussi, la diffusion. Mais les cabarets de l'époque où il y avait des tangos, c'était très cher, c'était pour la bourgeoisie, la haute bourgeoisie. C'était tous les gens qui venaient en France pour dépenser de l'argent. Oui, qui prenaient le bateau. Voilà, et qui apportaient les tangos en France. Les tangos, il était accepté en France, évidemment. Après, il est rentré en Argentine parce que si la France l'acceptait, alors les Argentins doivent l'accepter. Ça, je parle toujours au niveau de la haute bourgeoisie, hein. Mais le tango vraiment populaire, que les gens ont commencé à danser dans tous les bals populaires, c'était au début des années 40. Là. Et c'est là la grande création du tango chanson aussi, où il a eu l'arrivée des grands poètes. Pas seulement des compositeurs de musique, sinon les paroles du tango. Il y a 3, 4, 5 paroles qui sont plus que paroles, c'était des poètes. No? C'était des gens d'une grande formation intellectuelle aussi. Je peux citer quelques noms. Enrique Santos Discepolo, Cátulo Castillo, Homero Manzi, Homero Espósito. C'était tous des gens d'une grande formation culturelle. Donc vous avez une actualité maintenant, Luis, avec Luis Rizzo, en duo. Oui, parce que j'ai commencé à enregistrer le 19 mai un disque, un duo de guitare de tango classique, spécialement. Il y a quelques tangos aussi plus modernes. En duo avec qui? Avec mon fils. Qui s'appelle? Luis Alberto. Voilà. Ben, bonne chance. Merci à vous et à bientôt.